Le e-learning est un mode d'apprentissage en ligne qui utilise donc à distance, qui utilise donc les technologies de l'information pour tout public désirant en fait se former. Les avantages du e-learning résident notamment dans la souplesse de l'organisation de la formation et l'interactivité des outils. Quels sont les outils à disposition justement du e-learning? Donc, il passe par une plateforme de formation en ligne sur laquelle l'apprenant retrouve deux types d'outils, des outils dits synchrones avec une intervention en direct pardon, via par exemple un vidéo chat ou bien un entraînement, un oral d'une épreuve par visioconférence. Les autres types d'outils sont des outils asynchrones où là l'intervention ou les questionnements se feront en mode différé. Alors moi, le premier point qui m'a attiré dans le e-learning, c'est le suivi qui est comparable à du présentiel. En fait, si je rate un cours ou un rendez-vous comme un cours normal, je reçois un mail de la pédagogie qui m'informe de mon manque de sérieux. Et si en fait c'est un problème de rythme, après on peut adapter ma formation. D'autant plus que s'il y a vraiment un esprit communautaire entre les élèves, on est tous connectés ensemble en fait. Quand on se met sur la plateforme, on voit les autres élèves, on peut chatter avec eux ou créer des sujets de forum pour discuter ensemble d'un cours ou réviser ensemble. Et dans un même temps, je peux aussi, j'ai la même relation avec les profs, je peux leur envoyer une question et sous 24 heures, je reçois ma réponse. Ils me résolvent mon problème. Voire même en visioconférence, puisque des fois, il y a des visioconférences directes entre élèves et professeurs qui sont organisées. J'ai reçu un kit audio et vidéo pour mon ordinateur chez moi. Et je dirais le gros avantage par rapport à du présentiel, ce serait le rythme en fait qui s'adapte vraiment à l'élève. Quand j'ai le temps de suivre un cours, je peux contacter la pédagogie qui va m'envoyer un programme différent selon mon rythme. Et d'autant plus que je reçois toutes les semaines mon planning de formation de la semaine à venir.